Bonsoir et bienvenue à tous dans un nouvel rendez-vous d'actualité. Jean-Pierre Pernaut, l'animateur français dont nombreux téléspectateurs a décidé de repousser son retour sur le plateau du Première Chaîne de plusieurs semaines alors que l'animateur se remit d'un cancer. Jean-Pierre Pernaut ne souhaite prendre aucun risque. Jour après jour, les Français préparent le déconfinement avec une certaine curiosité et beaucoup d'impatience. Le 11 mai marque le retour pour beaucoup vers le chemin du bureau. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a annoncé que le travail à domicile devait rester la norme jusqu'à l'été pour la plupart des salariés. Et parmi les gens qui resteront en télétravail, on compte Jean-Pierre Pernaut. Ce dernier est remplacé depuis quelques semaines par Jacques Legros, bien qu'absent du plateau de TF1. C'est depuis son domicile que le journaliste tient chaque jour une pastille baptisée 13 heures à la maison, véritable bourreau de travail. Le journaliste ne compte pas 6 heures. Jean-Pierre Pernaut s'attendait à retrouver son chemin de retour. Le directeur de l'information du groupe TF1 a pris cette décision. Elle évoque l'état de santé de Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut vient de fêter ses 70 ans. Elle est également en rémission d'un cancer de la prostate. Jean-Pierre a été malade il y a un an et demi. Il veut rester prudent. Elle réfléchit à revenir en plateau en juin. C'est la fin. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires. Et n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater aucun de nos prochains rendez-vous. À très bientôt.